Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous présente un petit tutoriel pour vous expliquer comment fonctionne le logiciel Philographe que nous allons utiliser en classe. Donc quand vous allez sur le site Philographe, vous allez accéder à cette page. Il suffit de cliquer sur Accès direct. Puis on va aller ouvrir la matrice qui nous intéresse, donc celle qu'on a vue à l'activité 4. Pour cela, vous allez dans Collection locale, ici là dans Collection, hop, vous cliquez. Et vous allez sélectionner votre matrice. Donc celle que nous on va utiliser, c'est celle-là. Pour le tutoriel, j'en utilise une autre qui est celle-là. Voilà ma matrice qui est ouverte. Maintenant, il faut que je la complète. Donc là, c'est la même chose que ce qu'on a fait en classe, sauf qu'en classe, on a mis des croix. Et ici, on va mettre des 1 et des 0. Donc si le caractère est absent, ici vous avez la légende, on va mettre 0, d'accord, en marron. S'il est présent, on va mettre 1. Inapplicable et inconnu, on ne met pas dans cet exercice. Comment mettre 0 ou 1? C'est simple. Si on veut mettre 0, on clique une fois. Si on veut mettre 1, on clique deux fois. Si on s'est trompé, on clique jusqu'à revenir sur ce qu'on veut. Vous avez sur cette ligne ici les caractères. Caractères 1, 2, 3, 4, ils sont inscrits ici. On ne touche pas à cette colonne-là. Si vous passez votre souris sur les numéros, vous allez tomber sur le nom du caractère. Donc par exemple, le 1, c'est bouche et yeux. Bouche et yeux. Ici, vous avez les différentes espèces. Donc maintenant, on va tout simplement compléter notre tableau, notre matrice de caractères. Donc le canard a-t-il une bouche et des yeux? Oui. Donc je mets 1. Pareil pour la poule d'eau, le rat musqué, le campagnol, le brochet, etc. Ils ont tous des yeux et une bouche. Caractère 2, le squelette interne. Le canard a un squelette interne, la poule d'eau oui, le rat musqué oui, le campagnol oui, le brochet oui, le poisson-chat oui. Le moustique et l'écrevisse ont un squelette qui n'est pas interne. Ils ont une cuticule à l'extérieur de leur corps. Et on complète ainsi de suite l'intégralité du tableau. Donc une fois que notre matrice est complétée, on va verrouiller la matrice, donc ce que j'ai déjà fait, et on va aller dans matrice de compatibilité. Donc la matrice de compatibilité sert à vérifier que les caractères sont bien compatibles les uns avec les autres. Bon, ça nous apporte pas grand-chose, mais on est obligé de valider cette étape avant de passer à l'arbre phylogénétique. Alors c'est assez simple. Ici, vous avez un petit tableau qui va comparer des paires de caractères. Donc là, le caractère 1 avec le caractère 2. Puis après, ce sera peut-être le 2 avec le 3, le 1 avec le 3, enfin bref. Ça compare, vous voyez, dans ce tableau-là. Donc, vous voyez, le 1 avec le 2, le 1 avec le 3, le 1 avec le 4, le 1 avec le 5, etc. Et puis après, le 2 avec le 3, tatatitatatata. Voilà. Pour savoir si un caractère est compatible, si deux caractères sont compatibles, c'est très simple. Il ne faut pas que dans ce tableau, vous ayez les quatre combinaisons possibles en même temps. Les quatre combinaisons possibles en même temps, elles sont ici. C'est 0, 0, donc 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 0. Si vous avez ces quatre possibilités dans le même petit tableau, il faut cliquer sur non. Ici, ce n'est pas le cas. J'ai que deux possibilités, deux combinaisons. J'ai 1, 1. Et 1, 0. Donc je clique sur oui. Pareil, oui. Et ainsi de suite pour l'intégralité du tableau. Me voilà donc à la fin de mon tableau. Je n'ai aucune incompatibilité dans ma matrice. Je peux donc verrouiller mes paires. Le logiciel valide ce que j'ai fait et je peux passer à l'arbre phylogénétique. Donc pour l'arbre phylogénétique, je vous conseille de d'abord cliquer sur réaménager cet arbre pour avoir les espèces bien visibles toutes sur le côté. Alors, le principe de l'arbre phylogénétique, c'est de montrer les innovations, les apparitions de caractères au cours du temps. C'est-à-dire que le temps va aller dans ce sens, d'accord? De la gauche vers la droite. Et donc, vous allez regrouper les espèces par groupe, comme ce qu'on avait fait avec les groupes emboîtés. Sauf que bah, là, on va pas faire des groupes.
En fait, ce qui se passe, c'est que pour chaque groupe, par exemple, quand on fait le groupe des tétrapodes et que dedans on met le hérisson et l'humain, bah, ça veut dire qu'en fait, le hérisson et l'humain, à un moment donné, avaient un ancêtre commun. Ils avaient un ancêtre qui avait toutes les caractéristiques qu'ils ont en commun. Donc, par exemple, vu que ce sont des tétrapodes, les quatre membres, d'accord? Cet ancêtre, il l'avait aussi en commun avec le canard, qui a aussi quatre membres. En revanche, le hérisson et l'humain sont tous les deux des mammifères. Le canard n'est pas un mammifère. Donc, le hérisson et l'humain ont un ancêtre commun qui avait quatre membres, des poils et des mamelles, mais que du coup, le canard n'a pas, puisque le canard n'a pas de mamelles. Les ancêtres communs, dans les arbres, comme ça, phylogénétiques, sont représentés par des nœuds. C'est les petits points ici, d'accord? Chaque nœud correspond à une espèce. Au fond de l'arbre, ici, vous avez les espèces connues. Et puis ici, on va pouvoir créer des nœuds, des ancêtres communs. Ça peut paraître un peu compliqué, mais en réalité, c'est assez simple à faire. L'idée là, c'est juste que vous sachiez faire et que vous compreniez que le nœud, c'est une espèce qui a peut-être existé, qui a sûrement existé, mais dont on n'a pas de trace. Donc, bouche et yeux. Comme vous voyez, bouche et yeux. Donc là, j'ai sélectionné bouche et yeux. Bouche et yeux est présent chez toutes mes espèces. Donc ça, on va rien pouvoir en faire. Tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est dire que bah, cet ancêtre commun qui est ici possédait une bouche et des yeux. Maintenant, on passe à squelette interne. Alors, le squelette interne, on le voit qu'il est présent chez toutes ces espèces ici, mais il n'est pas présent chez le moustique et l'écrevisse. Ce qui veut dire que toutes ces espèces ont un ancêtre commun qui est différent de celui de ces deux espèces. Donc, ça veut dire que cet ancêtre commun qui avait une bouche et des yeux a donné un autre ancêtre commun par ici, qui a ensuite donné cela. Et il y a une autre chose qui a donné ces deux-là. Donc, on va prendre le canard et on va créer un nouvel ancêtre commun. Pour cela, vous appuyez sur la touche CTRL, donc c'est CTRL sur votre clavier, et vous cliquez là où vous voulez, là, ici par exemple, sur la branche du canard. On a donc créé un nouveau nœud, un nouvel ancêtre commun. La poule d'eau possède aussi un squelette interne, donc elle a le même ancêtre commun que le canard. Donc il va falloir les rassembler. Donc pour cela, je clique sur la poule d'eau, je la sélectionne, donc le point passe jaune, et j'appuie sur la touche Maj. C'est la touche qui a une flèche vers le haut, qui est juste au-dessus de la touche Contrôle. Et avec mon doigt sur la touche Maj, je viens cliquer sur l'ancêtre commun que j'ai créé ici. Et comme vous le voyez, la branche de la poule d'eau vient se rattacher à l'ancêtre commun. Donc ici, on vient de former un ancêtre commun qui n'est commun que au canard et que à la poule d'eau. Sauf que le rat musqué aussi possède un squelette interne, donc on le rassemble. Le campagnol, le brochet, le poisson-chat. Je réaménage l'arbre. Donc là, vous pouvez voir que ici, cette branche-là est devenue noire. Il faut que pour chaque caractère, vous n'ayez qu'une seule branche qui est noire. Ce qui veut dire que le caractère n'est apparu qu'une seule fois. Si jamais le caractère est apparu deux fois, c'est possible que ce soit arrivé, mais c'est très peu probable. D'accord? Nous, on essaie de faire des arbres les plus probables possibles. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on essaie de faire quelque chose le plus probable possible. Alors, ces deux-là, je vais les rassembler. Puisque, alors, on n'a pas de critères ici pour les classer ensemble, mais ils sont quand même ensemble par un critère qu'on verra peut-être plus tard. Alors, les quatre membres maintenant. Alors, ceux-là, ils ont tous quatre membres, sauf ces quatre-là qui n'ont pas quatre membres. Donc, le campagnol, on va créer un ancêtre commun entre le campagnol et le rat musqué, auquel on va rajouter la poule d'eau et le canard. Comme vous voyez ici, il y a deux lignes qui sont noir, ça va pas. Donc hop, on fait comme ceci. Et là, j'ai plus qu'une seule ligne qui est noire. Donc mon canard, ma poule d'eau, mon campagnol, mon rat musqué ont un ancêtre commun qu'ils n'ont pas avec le poisson-chat et le brochet et qui possèdent quatre membres. Les poils et les mamelles. Ah, on a deux barres noires. Donc ces deux-là ont un ancêtre commun qui possède des poils et des mamelles. Les plumes.
Alors là, les plumes, vous voyez, ça fait un peu n'importe quoi. Ma poule d'eau et mon canard possèdent des plumes. Donc, je les rassemble ensemble. Les nageoires. Voilà, ces deux-là possèdent des nageoires. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais là, du coup, on a un ancêtre commun qui est commun à ces deux-là, qui possèdent des nageoires. Oui, mais cet ancêtre commun, il est commun aux brochets, aux poissons-chats, mais aussi aux rats musqués, aux campagnols, à la poule d'eau et aux canards. Ce qui veut dire que les nageoires sont apparues après. Donc, il faut créer un autre ancêtre commun aux poissons-chats et aux brochets. Six pattes et des ailes. Il n'y a qu'une seule barre noire ici, et la carapace, qu'une seule barre noire. Et donc ici, on a complété notre arbre phylogénétique. Si je clique sur chaque caractère, je vais à chaque fois avoir qu'une seule barre noire, sauf pour bouche et yeux, puisqu'ils ont tous bouche et yeux. Donc je vérifie. Bouche et yeux, squelette interne, quatre membres, poils et mamelles, les plumes, les nageoires, les six pattes et la carapace. Ce qui veut dire que poil et mamelle est apparu ici. Le caractère poil et mamelle est apparu ici. Le caractère quatre membres est apparu ici. Et ainsi de suite. Une fois qu'on a fini, on peut verrouiller l'arbre. Là, le logiciel va nous dire que tout ne se transforme bien qu'une seule fois et on peut donc passer à la suite. La suite, la voici. Alors, bah, la suite, c'est tout simple, hein. C'est comme ce qu'on a fait en classe, juste que maintenant, les boîtes, on les fait sur l'arbre. Donc, on ajoute une boîte. Par exemple, hop, la boîte pour bouche et yeux. Et donc, on va mettre. Alors, il faut bouger un petit peu les coins des boîtes, voilà, comme ceci. Et donc, bouche et yeux, cette grande boîte bouche et yeux. On va lui donner un nom. Ce sont les animaux. Et donc vous voyez le nom vient se mettre ici. On ajoute une nouvelle boîte pour squelette interne. Donc vous voyez, j'ai cliqué sur squelette interne. Seuls ceux en bleu possèdent un squelette interne. Donc je viens faire ma boîte squelette interne. Et je l'appelle les cordées, puisque c'est le nom qu'on donne maintenant. À ceux qui possèdent un squelette interne, une colonne vertébrale, les chordées, ou les vertébrés, comme on a pu le voir, comme on peut le voir en classe. Ceux qui possèdent quatre membres maintenant, donc ce sont ceux-là, j'ajoute une boîte, et je viens la positionner sur mes espèces qui étaient en bleu. Quatre membres, c'est ce qu'on a appelé les tétrapodes. Et on continue ainsi pour l'ensemble des groupes. Donc voilà. J'ai fait toutes mes boîtes. Alors, j'ai pas fait de boîte qui regroupe ces deux espèces-là, puisque bah, on n'a pas utilisé de critères en fait pour les mettre ensemble. C'est moi qui ai fait le choix de créer un ancêtre commun ici. Comme vous le voyez, j'ai mis les boîtes de couleurs différentes. Alors, vous pouvez faire varier les couleurs en utilisant le petit curseur ici. Là, l'idée, c'est d'essayer d'avoir au moins une couleur un peu différente pour chaque groupe. Et si jamais vos boîtes sont un peu, vous voyez, un peu de travers comme ça, il suffit juste de cliquer sur Aligner toutes les boîtes. Et le logiciel s'occupe lui-même en fait de mettre les boîtes un peu droites. Et donc maintenant qu'on a fait cet arbre de parenté, bah, on peut facilement voir les groupes qui se dégagent, les grands groupes qui se dégagent de cet arbre, et les liens de parenté qu'il y a entre chaque espèce. C'est-à-dire que le rat musqué et le campagnol, donc les mammifères, sont un groupe parents des oiseaux, c'est-à-dire qu'ils sont dans la même grande famille que les tétrapodes, par exemple.